One good girl is worth a thousand bitches. No, ain't nobody perfect. Quelle est cette route visiblement cabossée? Qu'est-ce que c'est que ce t-shirt tie and dye? Qu'est-ce que c'est que ces seins sans téton? Merci Kenny pour cette dose de kitsch qui manquait à ma vie. Salut, bienvenue sur Junk on the Web. Ce qui m'a marqué cette semaine se passe sur Facebook. C'est une totale invasion. Les beat strips. Bref. Les beat strips, ce sont des petits avatars qu'on se fait à notre image et qui nous mettent dans des situations du quotidien. À la base, ça peut être sympa, mais premièrement, c'est moche. Ils auraient au moins pu faire en sorte qu'on soit mignons. Deuxièmement, on n'a visiblement pas le choix dans les mises en scène, ce qui fait que j'ai à peu près 52 amis qui sont des zombies le matin tant qu'ils n'ont pas bu leur café. J'ai environ 25 amis qui font des high-fives avec leur chat. J'ai à peu près 47 amis qui traînent sur internet au lieu de travailler. Troisièmement, la semaine dernière j'avais 2 amis qui l'utilisaient donc je trouvais ça encore marrant. Cette semaine j'ai environ la moitié de mes amis. Bon, je dirais pas que je suis contre les phénomènes de mode. Ce serait quand même un peu hypocrite. J'ai essayé moi aussi de faire mon avatar, mais je trouvais que c'était pas très ressemblant. J'ai préféré m'auto-dessiner sur un post-it et au moins j'ai pu choisir ma phrase. Je suis pas en train de dire aux gens qu'il faut qu'ils arrêtent d'utiliser cette application parce que je vois bien que ça amuse les gens plus qu'autre chose. J'espère juste que ce phénomène de mode sera le plus court possible. Par contre, je serais vachement plus pour une application type Paint sur Facebook de façon à ce qu'on puisse se dessiner nous-mêmes avec nos souris parce qu'au moins ce serait moche aussi, mais ça serait de notre faute. Première image de la semaine, ça se passe apparemment en Allemagne dans des toilettes payantes et ce que j'adore avec cette photo c'est à quel point ça montre que l'argent à côté de la fierté masculine c'est finalement pas grand chose. Deuxième image de la semaine, je ne pouvais pas faire cet épisode sans parler de la victoire de la France au foot qui l'a qualifiée pour le mondial 2014. Le foot, je m'en fiche complètement. Ce que j'ai le plus aimé dans toute cette soirée, c'est cette image fabuleuse. Troisième image de la semaine, j'ai hâte qu'il neige et j'espère qu'il va neiger beaucoup 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 chez moi parce que j'ai envie de faire ça avec mon chat. La plupart des gens n'aiment pas la neige parce que c'est pénible pour conduire, etc. Mais moi, je suis hyper parée. Cette semaine, le site que je vous conseille, c'est pas du tout un site nouveau, mais régulièrement je retombe dessus et quand je dis que je retombe, c'est-à-dire que je plonge dedans pendant minimum 20 minutes à faire toutes les pages, c'est le site ZooBorns. Comme son nom l'indique, c'est un site qui parle de toutes les naissances dans les zoos du monde. C'est donc la meilleure source du monde pour avoir des photos de bébés animaux et des vidéos aussi. Je vous conseille de ne pas regarder ça depuis le boulot parce que c'est un coup à être complètement anti-productif. En revanche, si vous avez le moral à zéro, allez-y, vous découvrirez au passage des espèces dont vous ne soupçonniez même pas l'existence. Et vous allez vous mettre à agir complètement niaisement devant ce site. Vous inquiétez pas de panique, c'est normal. C'est terminé pour l'épisode d'aujourd'hui, je vous remercie de l'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. Pensez à vous abonner, venez également nous rejoindre sur la page Facebook où je partage toute la semaine des petites choses qui m'ont marqué sur le net. Vous avez également ma page Twitter. Et si vous avez aimé cette vidéo ainsi que les autres, n'hésitez pas à partager auprès de vos amis de façon à ce qu'il y ait de plus en plus de gens qui voient, ça me ferait super plaisir. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao. Kiss kiss bang bang.